Au septième jour du jeûne complet, ce dimanche 20 octobre, la communauté missionnaire chrétienne internationale CMC Côte d'Ivoire, zone spirituelle d'Abobo à Kekwa, réenflammée par la première édition de l'école d'évangélisation, a organisé un week-end de salut et de guérison sous le thème « Jésus-Christ délivre, sauve les prisonniers » au collège A.S. Poutine avec pour orateur Joseph Dei, pasteur missionnaire chargé de la conquête d'Akekwa. Composé de 876 disciples se réunissant dans 23 églises de maison, dont 4 assemblées des agneaux, 750 personnes avec environ 150 invités ont adoré ce jour, soit 69% comme taux de présence. À l'entrée du collège, l'on est frappé par deux versets bibliques au mur, Osée 4, verset 6 et 2 Chroniques 1, verset 10. La sagesse infiniment variée de Dieu a été manifestée tangiblement par les saints à travers d'abondantes louanges populaires et de prières d'action de grâce en reconnaissant des hauts faits selon Psaume 145, versets 3 à 7. Parmi tant de témoignages attestant la puissance de Jésus-Christ déployée au milieu de son peuple, seulement 5 ont été sélectionnés pour la circonstance. Jean Cassis, délivré de l'alcool, de la débauche sexuelle et de la pauvreté, est le premier à rendre témoignage. La drépanocytose est un vieux souvenir pour la sœur Marie-Paul Genebou. L'hémorragie chronique qui tourmentait Gervais Gagnon, 7 ans durant, a été définitivement ôtée par le Seigneur Jésus dans une vision. Quant au frère Régis Sokoba, la drogue, l'alcool et l'opprobre de la pauvreté n'ont plus d'emprise sur lui. Enfin, Jules Banoué a tourné radicalement le dos au monde pervers du showbiz. Pour davantage préparer les cœurs, un seul chant évangélique a été présenté. Prenant la parole, l'orateur Joseph Dei, pasteur missionnaire, s'appuyant sur Osée 13, verset 9 et 2 Timothée 4, verset 3 à 4, a rendu brièvement son témoignage de conversion. Il s'efforçait à montrer aux pécheurs perdus qu'ils ont sans doute entendu plusieurs prédications, cependant, ils croupissent encore sur le poids du péché. Selon le dirigeant d'Abobo Akeikwa, le péché est une prison dans laquelle l'on s'enferme dans une folie effrénée. L'amour de Dieu pour l'homme a été manifesté par le don de Jésus-Christ, l'agneau immolé. Il y a des nuits où j'avais peur de dormir dans ma fonction. Parce que je vis dans le péché. Je vis dans le péché. Ton âme est exposée aux démons, au monde des ténèbres. Même les petits sorciers stagiaires du village, c'est sur toi ils viennent. Quel entraînement! Tant de choses, comment Jésus délivre l'homme d'abord de ses propres péchés et des conséquences de ses péchés. Le péché est une malédiction. Le péché est une malédiction. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas un péché qui n'est pas suivi de malédiction. Seulement que la malédiction du péché, c'est un rendez-vous sans t'attraper demain. Je vivais ça déjà. Pour moi, on m'a déjà attrapé. J'étais malheureux. Mais Jésus, dans son amour, la promesse de son amour s'est manifestée pour moi. Amen. C'est cette promesse-là qui a fait que ce matin, tu es là. Amen. Tu es là. En venant ici ce matin, tellement peut-être tu es habitué aux invitations à l'église, tu t'attendais à un prophète qui va commencer à te dire. Non, ce n'est pas ça. Ici, c'est ton frère qui était dans la boue du péché.
qui était malheureux, qui était en train de périr, de courir. Et Dieu, dans son amour, m'a levé. C'est ton frère qui vient te parler, me dit mon frère. Voici le choix. Réponds-toi. Réponds-toi. Accepte Jésus-Christ et réponds-toi. Après environ 15 minutes d'intervention, il lance l'appel. Accepte Jésus-Christ et réponds-toi. Ce que nous avons expérimenté et qui nous fait danser comme ça, tu vas expérimenter la même chose. Je vous dis la vérité. Ce que nous avons bu, nous l'avons touché et nous dansons comme ça, comme des fous, tu vas l'expérimenter. Tu vas danser plus que moi. Je ne vais pas aller loin. Là où tu es assis, si tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main tout juste. Lève ta main tout simplement. Lève-toi et viens vers moi. Lève-toi et viens vers moi. Promptement, 125 âmes se lèvent pour dire oui publiquement à Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Oui, mettez-vous en avant. Lève-toi et viens, avance. Viens donner ta vie à Jésus. Viens donner ta vie à Jésus. Tout ça va finir aujourd'hui. N'écoute pas cette voix qui te dit « Assieds-toi, tu vas déjà à l'église. » Alors que tu es conscient de ce que tu es. Tu es conscient de la souffrance que tes péchés t'imposent. Lève-toi et viens. Prends-toi. Oui, lève-toi et viens. Aussitôt, elles sont conduites à la prière de repentance par le pasteur Kone Nyenyeri, dirigeant principal du sous-centre de Dokui, après son court témoignage de conversion. Il prie pour les nouvelles âmes afin qu'elles confrontent, confessent, se repentent sincèrement et abandonnent radicalement tout péché et toute infidélité qui ont bloqué ou limité Dieu. Dans la même veine de prière, mais cette fois-ci pour la destruction des œuvres des ténèbres et de toutes sortes de blocages, la prière de combat de l'exercice de l'autorité spirituelle a été intense, dirigée par le pasteur Dei Joseph. Cette sorcellerie-là, nous jugeons cela. Nous jugeons cela. Quelle que soit la maladie, quand ça ne va pas, on te dit bien au village. Cette sorcellerie derrière, nous frappons, nous taillons pièce. Nous te payons de cette sorcellerie. Si ton âme est dans une prison quelque part, de commun accord, toute l'église, nous qui sommes là, et nos frères qui ne sont pas avec nous, les mains dans la main, nous entrons dans cette prison où ton âme est attachée. Nous cassons la prison, et nous te faisons sortir. Maladie des os, maladie qui est dans le ventre, maladie des yeux. Quel que soit là où la maladie est logée, au nom de Jésus, nous te dérangeons! Au nom du Seigneur Jésus, nous te dérangeons! Nous brisons les liens! Nous coupons les cordes! Si c'est dans une bouteille, nous cassons la bouteille! Dans un canari, nous brisons le canari. Si tu es dans le ventre d'un serpent, nous ouvrons le ventre du serpent.
tu es dans un marigot où les cellules sont adorées au nom de Jésus, nous entrons là-bas. Nous séchons l'eau. Et nous détruisons ces cellules. Dieu a puissamment agi. C'est aujourd'hui, je suis arrivé ici. Et après, en tout cas, le témoignage de plusieurs personnes, vraiment, je me suis senti dans la chose. J'ai senti même ma vie tout entière dans ces témoignages-là. Et c'est là que j'ai pris réellement la décision d'abandonner tout ce que je faisais et de donner ma vie à Dieu. Maintenant, venant ce matin, j'avais très mal à l'aise, problème de Dieu. J'avais très mal. Et puis, je suis venue m'asseoir ici. Donc, avec la prière, juste à ce moment-là, je n'ai plus de douleur. Alléluia. Je suis un chrétien, je vais à l'église. Comme le disait le pasteur ici, aller à l'église et puis se donner à Dieu, c'est deux choses différentes. En fait. J'ai été invité ici par une sœur qui travaille avec ma femme au nom de Clarisse. Disons comme ça que dans ces derniers jours-là, en tout cas, ma santé n'est pas trop ça. Même ce matin, quand elle est allée chez moi pour me dire de venir à l'église, j'ai voulu refuser au fait. Mais je me suis dit quoi? J'ai parti à l'église ou bien aller à l'hôpital, aller me faire soigner. Et quand j'ai pensé, j'ai vu que Dieu, en tout cas, est au-dessus de tous les médecins. Alléluia. Et avec la prière, je sais que ma respiration arrive à monter. Je dis merci à Dieu. On acclame. Alors vous voyez que j'ai la voix qui est cassée. Et pratiquement, je ne me porte pas bien. À deux mois, je tousse. Voilà, terriblement, parce que j'ai une infection du poumon. Et je suis placé sur traitement. Et donc, j'ai prié aussi pour. Et ce matin, après les prières du pasteur Théi, j'ai commencé vraiment à sentir une baisse des douleurs que je fais aussi. Dans le but de permettre aux nouvelles âmes d'avoir une idée du fonctionnement de la CMCI d'Abobo, une brève présentation de quelques départements et du collège des dirigeants de la zone d'Abobo a été à l'ordre du jour. Après cette étape, le dirigeant principal de la zone d'Abobo, André Toali, a prié abondamment pour bénir son troupeau. Qu'ils soient protégés, que leur guérison, délivrance soit protégée sous le sang de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple. Que ton veille soit sur le peuple. Que tes grâces abondantes nous accompagnent. Que les grandes portes s'ouvrent devant eux. Ô notre Dieu, donne-les d'expérimenter cette délivrance que nous avons expérimentée. Merci beaucoup pour cette grande moisson. Bénis ton fils. Bénis tous ces co-ouvriers. Bénis cette école où je viens ici pour la troisième fois. Souviens-toi du fondateur. Souviens-toi, Seigneur, de cet homme. Qu'il soit béni. Que son école connaisse la bénédiction. Beaucoup d'élèves, beaucoup de succès. Seigneur, s'il te plaît. En toi la gloire. Parce que nous t'appartenons. Ces jeunes gens t'appartiennent. Le ciel est dans la joie. Les anges sont dans la joie. Gloire à toi seul. Parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'estime heureux pour cette rencontre. Je suis très heureux pour ce programme. Comme Dieu nous a demandé à revenir à lui. Je vais demander à un pasteur. Très surpris et content de ces âmes, les 100 personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu. C'est la preuve que Dieu est avec nous. Dieu dirige son œuvre au niveau national et au niveau international. Pour l'intégration des 125 âmes, les dirigeants sont unanimes pour mener activement des actions pastorales.
L'intégration des âmes qui ont dit oui à Jésus aujourd'hui est un véritable fardeau. Parce que c'est ça qui donne le sens à la moisson. Donc, un conseil est donné à chaque dirigeant. Les invitations ont été faites par l'Assemblée. Au point où chaque dirigeant sait quels sont les gens que les brebis ont invités. Dès ce soir, nous nous lançons à la poursuite de tous ces âmes. Nous nous fixons une semaine pour les rattraper. Une semaine pour les baptiser. Une semaine pour leur donner l'occasion d'intégrer nos assemblées. Le défi, c'est que les 125 qui ont dit oui, aucun ne retourne encore. Voici ce que nous attendons. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. À Dieu soit toute la gloire pour ses enfants qui ramènent à leur premier amour dans la conquête des âmes à Christ.